Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière vu qu'on va se retrouver avec non pas une mais deux personnes. Si elle veut bien se montrer, c'est la team Hydre, donc avec Rising Sun juste à côté. Bonsoir Rising. Salut. Et le plus beau qui arrive au ralenti évidemment, bonsoir Nico. Slow motion. Et bonsoir. En slow motion. Admirez cette démarche. Donc on se retrouve ce soir avec la team Hydre pour aller défoncer des hydres tout simplement. Et une plus particulièrement, une qui est très amie avec Rising apparemment, vu qu'il en a ramené une tête ou deux. Et du coup, 3. À la fin de cette vidéo, vous aurez un petit concours. Donc je vous laisse regarder l'ensemble de ce combat épique à venir. Et évidemment, les détails à la fin. Voilà. Allons-y. 3, une tête ou deux, pareil. Je sais pas où c'est qu'il faut aller. On va traquer et l'étoile. Allons-y. Oh, tu sais, on peut y aller en marchant vu le temps qu'on a devant nous. Je crois que c'est pas par là, attends. Mais. Hop. Si, c'est par là. On va tous suivre Nico qui sait pas du tout où il va. Non. C'est pas par là l'étoile. Ouais, mais c'est le chemin pour. Pour ça. Ah bah, je te suis. Attends, hop, je retire la map. Hop. Ah, tu veux y aller en marchant? Moi, je voulais y aller en marchant, mais lui, toute évidence, il en a rien à péter. Allez, une petite target sur sa tête. En mode RP. Nous allons traquer l'étoile, cher ami. Mon brave combattant. Arrête, on risque de se faire flageller par le... Il nous reste 3 jours de marche avant d'y arriver. Mon raptor a besoin de manger et de boire. Hey, on va buire. Nico, dès qu'il faut boire. Ouais, c'est pas parce que je suis ch'ti, hein. Nico, le ch'ti. Traquer et l'étoile. Bon bah on arrive. Merde, j'ai pas parlé au panneau, c'est pas grave. Non, j'ai lancé, t'inquiète pas. Ouf. Ah attends. On va chercher l'oricalque en même temps. Faut que j'arrête d'appuyer sur toutes les touches. Et voilà, et l'étoile qui est ici. Voilà, magnifique la hydre poubelle, à trois c'est têtes. La poubelle. Voilà, là, bah, c'est voilà, la poubelle, c'est magnifique, c'est Christina Cordula. C'est un peu notre mère à tous. Ouais. Ouais, alors... Oula. Elle a l'air contente de nous retrouver. Allez, c'est parti, si on est que 4. Ah d'accord, on y va. Eh ben, je croyais qu'on la faisait à la demi, tout ça. Ouais, bah non, alors, en fait, là. Vous voyez, on a un debuff. Aïe. Il faut choper les petites bouboules, ici. Faut choper les bouboules de maman pour pouvoir la tuer, d'accord. Pour enlever ce debuff qu'on a, en fait. C'est pas du tout ok. Bizarre. N'oubliez pas de raise notre pauvre camarade, déjà, qui est tout seul, est venu nous aider. Ah c'est alors bon, il y a des gens qui viennent. Je suis tombé parce que j'étais en train de mettre un message pour qu'on ait un peu plus de monde. C'est bon, on a enlevé 8%, on est large. Aïe. On n'a jamais dit qu'on la tomberait, de toute façon on a dit qu'on allait s'attaquer là. Et on récolte combien, on fait combien de records les gars? C'est ça la question. On va tous voir que je ne sais absolument pas jouer ma classe depuis que j'ai changé de build, c'est magnifique. Je vais partir au 4. Je suis un taré moi, et voilà. Plus de météorites, chacun son truc. Ouais. On va essayer de sauver notre copain ici là qui est en dessous. Ah bah. J'en suis déjà à 2 res sur Rising, je dis ça, je dis rien. On aurait dû lancer des paris prêts avant le match. Dans ma faute, si je suis son fils préféré et qu'elle veut m'envoyer des milliers de coups. Oh là. Si je suis son fils préféré quoi. Le mec, il a une confiance. Un melon. Je me suis fait défoncer par l'île. Ah, il y a une tête à elle qui se promène par terre, c'est normal. Ouais. Oui. Oh là là. Quand je te disais que j'étais pas sûr de l'avoir fait, je crois que je l'ai en fait jamais fait. Ça devait pas être celle-là. Tiens, Valéras, demain. Deux, ouais. Généralement, moi, quand je tombe une fois. Ah. De quoi, demain hein. Je passerai au ralenti s'il faut, mais on t'a bien vu tomber. Hein. Une demi seconde, mais t'es tombé. Y'a un bébé qui veut me manger. En plus, on a choisi la semaine de la mise à jour. Donc... Tout le monde pour nous aider dessus. Non, mais on a choisi la semaine de la mise à jour et le mois de la FIFA. Voilà. Il y a Coupe du Monde, mec, qu'est-ce que tu veux faire? Coupe du Monde, wesh. Ah, en plus, c'est nos amis belges, coucou Ayana. Rising, je viens te sauver. Tu es vraiment un petit lapin. Tu sens mon tu sens la caresse de Mama sur ton torse? Évidemment, une caresse virile. Elle est bien chaude. Ouais, bon, elle descend plutôt pas mal. YouTube avec une censure d'âge, les gars. Ah, tiens, Baberas par terre. Comme c'est original. Non, je suis pas par terre. C'est qui le je l'étais depuis un quart d'heure, mais là je suis debout. Ah merde, c'est le mec qui est avec nous.
comme quoi j'ai partout le tournoi. Banieras. C'est ça. Banieras. C'est dommage, j'ai pas record le moment où j'ai parlé Banieras. Ah là là. Ah là là. Là par contre, Rising, si tu veux faire une roulade arrière, je suis derrière, je t'attends. Ah, trop tard. Voilà, il y a des gens plus gentils que toi, de toute évidence, dans ce monde. Ça, c'est sûr. C'était pas une question. J'espère que vous récordez parce que. Bon, on va passer en mode animorphe pour faire plus de dégâts. Ouais, on va jouer au petit, on va jouer cac et tout. Aïe. Ah, je vais prendre les boules. Du coup, c'est les boules. Bah là 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 là. On fait un compteur de blagues aussi ou on s'arrête au compteur de ouais. Res. Parce que là, avec Rising, ça va de pair de toute évidence. Pas de jeu de oh, Rising, à terre. Ah, Nico à terre. Moi, je suis un LMSP blague. Ça frappe fort, ça ou... C'est Patrick Sébastien. J'ai besoin d'une main chaude sur mon torse velu. En plus, il y a une main de char, tu dois apprécier. Ouais, d'où les mains velues. Allez, ah bah sa barre, elle est pétée. Donc, on va y aller. Celle de Rising aussi. Les gars. Oula, par contre, j'ai 12 debuffs, faudrait que je pense à savoir jouer. Et franchement, si on la tombe avant la demi, c'est moche pour ceux qui nous attendaient à la demi. Ouais, bon, tant pis. Aïe. On va être obligé de la retomber histoire de faire durer le plaisir, tu vois. Bon, il y a un temps de respawn sur les boss ou genre dès qu'elle est tuée, on peut leur. Je crois que c'est une demi-heure. Aïe. Une heure. Ouais, je pensais que quand t'avais fait une prime dans la journée, tu pouvais pas la refaire. Si, si, tu peux les refaire, mais en fait, c'est. Que quelqu'un puisse les faire pop, ça, je veux dire. Ouais, voilà. T'imagines, y'a un mec qui a fait la prime, plus personne peut la jouer. On serait pas tous à verre. Mais si tu changes de map. Tout seul, je peux la faire tomber, évidemment. Avec le. Tout seul, c'est trop facile. Nombre de joueurs, c'est plus ou moins facile, tu vois. Tout seul, c'est trop facile, c'est pour ça que j'appelle mes potes, en fait. Bah ouais. Parce que je sais qu'ils vont faire pencher la balance du côté de l'équipe adverse, donc. Ouais, c'est vrai. Nico, j'arrive! Ouais, je suis mort. Vous voulez tuer les têtes ou pas du tout? Non. Ouais, d'accord. Non, je suis mort, totalement mort. Ah. Et tu restes par terre et tu nous regardes? Ouais, c'est ça. Allez. Qu'on se mette en gros plan devant toi. Là. Ouais. T'as le droit de faire un slash dance devant moi. Attends, je vais surtout faire un slash mort. Attends, faudrait faire un slash def à la fin de la vidéo. Bon, on aurait dû en faire un avant et un après. Vous êtes mort combien de fois ou Oh non, franchement ça va. Entre 12 et 13. 1000. C'est 13 000. J'ai jamais osé faire. T'as jamais osé même le slash jouer. Le slash jeu, là, je sais plus c'est quoi là. Pour le temps de jeu. Ouais. Slash edge. Age. Moi il fait mal. Moi il fait très mal et encore je me suis calmé. Moi c'est sur vous, il faisait très mal sur vous. Moi c'est sûr pour Megids Wars, il faisait mal. Ouais, ce Guild Wars c'est le jeu où j'ai passé vraiment le plus d'heures, mais loin devant tous les autres. On va rester des morts. Qui excite le mec qui vient de revenir, l'air de rien. Aïe. Pendant ce temps, je coupe du bois. Le mec est vraiment opti quoi. Non, ah mais voilà, le mec qui voulait me rejoindre, il est en train de me MP pour me demander comment ça va. Oups. Aïe. Je suis mort. Ah ben yeah. J'ai eu le succès donc de toute évidence, je ne l'avais pas. GG les gars. GG. Succès quotidien, yes. Et tout. Nous revoilà après avoir tué donc cet hydre magnifique qui a pas vécu très longtemps face à notre puissance légendaire, il faut le dire, n'est-ce pas les amis? Ouais. Ouais. T'es pas pour répondre. Notre surprise joueur est parti, c'est dommage, nous étions 4 jusqu'à il y a peu, on allait former une nouvelle hydre à 4 têtes, que voulez-vous? Donc, surtout moi, c'est moi le plus puissant. Avec Nico, le plus puissant, évidemment. Yeah. Et le plus râleur. Surtout, au compteur de nombre de mises à terre, je pense que Rising l'a emporté haut la main. Voilà, il fallait le rappeler. Il me semble qu'il y a un succès pour ça. Notre LM spé blague, comme il le dit lui-même. Bravo à toi, je te remets la médaille en chocolat des chutes au combat. En tout cas, après avoir tué cet hydre, comme promis, on va discuter concours. Parce que c'est un petit peu le but de la vidéo quand même. Donc pour ça, rien de plus simple, il va vous falloir vous abonner à la chaîne et laisser en commentaire une réponse à cette question.
de quelle date, ça veut rien dire, c'est pas grave, quand est né votre premier personnage, envoyez les dates pour voir si vous êtes des vieux de la vieille qui vont bientôt fêter leurs 6 ans comme mon personnage à l'écran, ou si vous êtes plutôt arrivé avec la nouvelle vague de Welcome qui a eu très récemment. Laissez ça en commentaire avec votre nom de compte et les 4 chiffres derrière, évidemment, si vous voulez qu'on puisse vous contacter. Et je vous invite également à aller voir les chaînes de ces deux lurons juste là, qui vous proposeront eux aussi des concours, et vous pouvez absolument participer aux 3 concours, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Faut juste avoir beaucoup de chance si vous espérez gagner, évidemment. Ouais, moi je vais gagner les 3. Allez les voir, évidemment, Nico va gagner les 3, il n'y a pas de souci. Ouais, je vais même gagner mon propre concours. On s'est déjà arrangé, il a envoyé 2-3 euros, on lui envoie les codes. Il s'est auto-gagné avec son deuxième compte. Pas de soucis. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ce que tu faisais sur les autres concours, il me semble déjà. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, ben c'est parfait. Il a un t-shirt ArenaNet chez lui. Voilà. Ouais, il nous a montré. On mettra la photo évidemment sur les vidéos, il n'y a pas de soucis. Il a une belle collection. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer en masse à ce concours et aux deux chaînes des deux foufous qui sont en face de moi. Vous avez 15 jours. Ciao. Vous avez 15 jours. Oui. Nico, très bonne intervention. Vous avez 15 jours à partir de cette vidéo. De toute façon, il y aura eu un message quelque part sur la vidéo grâce à la magie du montage. Donc voilà. Ciao 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 ciao. Ciao ciao. Magnifique. Rising. Magnifique. Ciao ciao. Ne dis pas au revoir. Rising s'en fout des gens. J'ai oublié les 15 jours, mais ça passe.